Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enquête d'Enquête. Au programme ce soir, un reportage sur le nouveau trafic en vogue chez les jeunes, le café. Brésilien, éthiopien ou encore arabica, ce nouveau trafic se répand progressivement sur le territoire français. Nos journalistes ont enquêté au cœur d'un trafic lyonnais. C'est un reportage d'Adrien Pitor et Manon Laurens pour MJ de Prod. Voici Charlotte, elle aime les barbes, ses 136 paires de baskets et elle n'aime pas rater la bourrée dans le pré et louper les compétitions de canne à sucre. Dans ce campus aux allures tout à fait normales, plusieurs cas de trafic de café ont été signalés. Dealers et consommateurs raffolent de cette nouvelle drogue. Monsieur ? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder ? Oui, pas de soucis. On nous a dit qu'il y avait beaucoup de consommateurs de café. De quoi ? De café. Oui. Au campus René Cassin. Donc je voulais savoir, est-ce que vous-même, vous êtes un consommateur ? Non, mais moi, je sais pas trop ce que c'est. Mais je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps, mais je suis désolé. Passant totalement inaperçu dans les rues, lui, c'est Jimmy, dealer de café depuis ses 8 ans. Nous avons rendez-vous avec celui qui inonde le marché lyonnais. Ça va ? T'as ma livraison ou quoi ? Brésilien, arabica. J'aime pas trop arabica. Francis Bator. Bon allez, vas-y. Donne-moi l'arabica. Vas-y, Simer. Ouais, allô ? Ouais, les gars. Ouais, j'ai chopé, ouais. Ouais, mais c'était un peu cher cette semaine, ouais. Bon, c'est pas grave, j'arrive. Lui, c'est Hugo, il aime Sochaux, la Franche-Comté sinon rien, il n'aime pas Manoucha car elle n'aime pas le foot, et les gars qui ne connaissent pas Jaro. Vas-y, j'arrive, allez. Mais alors que Jimmy est en plein travail, la brigade torréfactrice arrive chez lui pour intervenir. C'est Aurélien, il aime Zizou, les belles voitures de sport, n'aime pas ceux qui n'aiment pas Zizou et l'eau dans le pastis. Nous sommes dans la maison du dealer, il y a une perquisition. Oh là là, non, attends-moi, tu ne bouges plus. J'adore. Elle, c'est Romane, elle aime sa petite Suzy, les licornes magiques, elle n'aime pas la violence dans le monde et les gens qui mettent du noir et du marron ensemble. Ferme bien, toi. Et voici Manon, elle aime l'odeur du foin et tout ce qui est doux, elle n'aime pas les gens qui monopolisent le trottoir et qui sifflent. Après avoir juré craché sans croiser les doigts qu'il n'insulterait plus jamais la police, nous retrouvons le suspect face à deux inspectrices prêtes à tout pour faire tomber son réseau. Tu vas parler ? Non. Si, tu vas parler, de toute manière, on a ton téléphone. On a retrouvé les capsules aussi, donc... Voici Manon qui aime les petits chats, les chaussures qui brillent, elle n'aime pas les misogynes et le foot. On se retrouve avec les policières après une procédure musclée. Et enfin Adrien qui aime être en retard, les blagues lourdes, il n'aime pas Saint-Etienne et quand il fait moins de 25 degrés. Et nous allons maintenant voir si elles se sont calmées. Alors mesdames, est-ce que maintenant ça va un petit peu mieux ? Oui, ça va mieux. Bon, ça arrive dans les interrogatoires comme ça de s'emporter un petit peu, mais... Et ce téléphone alors, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien ce téléphone, regardez, le service informatique est sur le coup et... Ah, ça vient de se débloquer. Voilà, là on peut voir qu'il y a des messages, quoi. Pigeon, pigeonne, pigeon campus, c'est terrible. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sont fait avoir. Le trafic de café, un marché en recrudescence. Suite à notre reportage, le dealer a purgé une peine de 2 jours de prison. Il est désormais vendeur de thé détox. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête d'Enquête d'Enquête.